Est-ce que vous en avez marre de moi, franchement? Est-ce que vous me supportez plus? Habituez-vous, abonnez-vous, aimez-moi. Moi, je vous aime. Ya, ya, ya. Les amours, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je sais pas pourquoi je l'ai dit deux fois, je suis un peu fatiguée, c'est pour ça. Mais nouvelle vidéo où on va faire un nouveau défi. Nouveau défi égale nouveau cadeau pour l'un d'entre vous. Mère Noël is here et j'espère que vous kiffez. Moi, je kiffe. Donc, c'est parti. Avec mes ongles, c'est super simple de l'écran. Donc aujourd'hui, c'est Carla qui m'a lancé le défi de relooker quelqu'un. Je pense que j'ai ma petite idée, j'ai pas pris un truc simple. Donc j'espère que vous allez kiffer, je pense que c'est une personne que vous connaissez et que vous aimez déjà. Enfin moi je l'adore en tout cas. Même si on est archi différentes, franchement ça a été un coup de cœur cette fille pour moi. Je présente le cadeau de Carla qui est aujourd'hui nul autre qu'une palette de chez Beauty Bay avec 42 teintes pour les yeux. Donc Carla, j'espère que tu aimes bien te maquiller les yeux. En tout cas moi je les ai ces palettes et elles sont vraiment archi bien et archi pigmenté. J'avais fait une vidéo sur Beauty Bay. Si vous voulez aller la checker, allez dans le petit i. En tout cas, car là, j'espère que ça te fera plaisir. Joyeux Noël en avance de la part de House of Noël. Ça se dit. En tout cas, je vous laisse découvrir qui c'est que je vais relooker. Qui c'est que je vais relooker. Je parle vraiment comme une beau. Et puis, bah, je vous laisse avec l'intro et le générique et tout et la vidéo. Et je vous aime et je vous dis à demain. Profitez de la vidéo. Ya, ya, ya. Bon, elle me fait rire déjà, elle a posé ses mains comme as, wesh. Là, il y a un bail qui se passe. Comme je l'ai pioché, bah du coup, vous m'avez demandé de relooker quelqu'un et j'ai choisi Fatou parce que c'est pas trop une bad bitch et que du coup, moi, je suis une bad bitch. C'est vrai que je suis vraiment pas une bad bitch, moi, je suis vraiment une gentille bitch. J'arrive pas à être au baba, quoi. C'est compliqué. Ouais, genre, du coup, je vais être au baba. Un poteau. Tu sais qu'on dirait que t'es sur un plateau d'Oprah Winfrey, wesh. Hey girl. Ça se dit comme ça? Du coup on va la relooker et pour cela nous avons retrouvé mon humble demeure qui n'est autre que Bou. Vous savez l'amour que je leur porte à Jeanne, Nico et Camille. Et du coup bah je trouvais que c'était le meilleur endroit pour faire ça. T'es prête à me ressembler? Vas-y là, franchement je suis prête, vas-y je suis chaude. Mais déjà t'aimes bien ou pas tout comment je me sers? Franchement moi je pourrais pas tu vois. Ouais. Moi je pourrais un parce que j'ai peur et tout, de montrer mes titties tu vois. Ouais. Mais t'es pas moche. Je suis très timide sur mon style vestimentaire, mais pas dans ma vie. Tu sais, quand déjà t'as un truc réunion professionnelle. Ah là, je suis une réunion professionnelle. On va signer des contrats là. Ça. Du coup, j'ai préparé quelques tenues qui me représentent moi. Enfin, du coup, c'est des trucs que j'aurais pu commander chez vous ou que j'ai déjà commandé. D'ailleurs, ma tenue vient de chez vous. Si vous voulez la choper, vous m'avez grave demandé d'où venait cette robe en jean. Nul autre que vous, donc voilà. Oh, mais grave demandé d'où venait tout ça. Nul autre que dans les magasins. Alors, on va commencer par une tenue de soirée. Donc, on a ici un petit ensemble crop top mini jupe que j'aurais grave pu mettre. Sauf que je ne suis pas assez maigre pour rentrer dedans puisque c'est du 36. Et on va assortir ça d'une veste de blazer pour casser le bail un peu. Mais le problème, c'est que tu me sens nude. Tu me perçois un peu trop maigre, tu vois, parce que... Non, tu vas rentrer. Des hanches, oui, mais je pense que tu vas rentrer. Je vous laisse nous suivre. Alors, je vais devenir une bad bitch. À tout de suite. Oh là là, je vais changer les styles, là. Oh, courgette, arrête de me regarder tout nu. C'est trop beau. Donc, moi, je suis un peu styliste aujourd'hui. C'est... J'ai bon goût. Je me valide comme Bouba. Donc là, Fatou, elle va se découvrir. Ouais. Oh, c'est trop stylé. Non,
franchement j'aime bien, mais j'avais peur de m'habiller comme ça, je pensais pas que ça allait m'aller. They call me Megatron, just did a telethon. He got my jealous on and I get my jealous on. I feel like I miss him, he just came out of prison. Fatou, qu'est-ce que tu penses de cette première tenue? Alors franchement, je suis choquée parce que j'ai pas l'habitude de m'habiller comme ça. Et je trouve que ça me met archi en valeur. C'est trop stylé d'être Rubaba. Là, je suis en Rubaba, là, tu vois. Ya, 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 tu vois ce que je veux dire? Là, je suis en ya, 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 tu vois ce que je veux dire? Ça, j'ai pas trop bien. Et je suis contente. Je pourrais porter ça pour sortir en soirée ou pour un anniversaire. C'est ça trop, va stylé. Trop bien. Même moi, j'avais un peu peur que tu sois réticente et tout. Non. Mais regarde le mannequin, ça te va tellement mieux. J'avoue, toi, ça te va pas trop. Fallait un petit chocolat comme moi. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la tenue numéro 1. Et on va faire d'autres tenues. Et puis, c'est une petite jupe que moi j'ai déjà en bleu. Et moi je la porte avec un t-shirt loose. Bon là il n'y a pas de t-shirt de dispo. Bah ça je trouve c'est une tenue genre tous les jours pour moi. Ouais quand même hein, de tous les jours. On y va. On y va. Are you ready? Elle toute nue, genre elle se retrouve devant un miroir. Je me découvre. Alors, c'est mon choix. Fatou, tu peux ouvrir les yeux. Oh, trop stylé. Ah, franchement, trop stylé. Et c'est bien d'être Rubaba. La tenue numéro 2, bah comme je vous ai dit, une petite jupe bicolore que moi j'adore, qui est en cuir. C'est Reda qui me l'avait conseillé. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Et on a changé le débardeur pour un t-shirt loose parce que bah du coup moi je trouvais que, enfin Reda m'avait conseillé de le mettre comme ça, du coup j'ai appliqué ses conseils. Et on a des petites baskets à strass qui sont très moi, très ya ya ya, très bling bling, très tout ce que j'aime. Donc Fatou, qu'est-ce que tu penses de cette deuxième tenue que moi, une tenue que je mettrais tous les jours? Bon bah là comme je suis dans la peau de Rubaba, ya ya ya. Donc là en fait ce qui se passe c'est que moi je me découvre, d'accord, tout potentiel hein. Voilà, donc à la base je m'habille pas du tout comme ça, mais franchement ça donne grave du flow. Ya 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 quoi. Non, pour je de vrai, vrai je pour de comme vrai ça. Je le porte en journée normale, mais normalisé. Trop beau. Basketti, jipou, gertou, petite pépé, tu connais un pic, moi on va essayer de lisser, tu vois, parce que là c'est n'importe quoi. Mais bref, on est ensemble. Compris, je suis dans le thème quoi. Ma chérie, tu es dans le thème. Tu es magnifique, vraiment comme ça. Tu es magnifique, ma chérie. Ma Christina, elle m'aimerait pas trop, moi. Ah ouais? Invite-la dans les reines du shopping, regarde comme un gros look. Bon, du coup, là, on va. Enfin, Fatou, elle veut s'habiller toute seule maintenant. Elle a trouvé des tenues. On va faire une tenue un peu plus habillée. Donc, c'est une robe qui est un peu plissée en bas et tout. J'aime beaucoup les manches avec les volants, etc. Enfin, moi, c'est un truc que je pourrais grave porter, vous savez très bien. Et je trouve que ça va trop, trop bien lui aller. Elle a une grave une belle corpulence, pas comme moi. Et on va mettre des petites chaussures qui sont archi tendance avec un bout carré. C'est grave la tendance, les bouts carrés. Ouais. Voilà. J'espère que la manucure est faite. Bien sûr. C'est important. Are you ready? Franchement, je kiffe faire cette vidéo et je suis contente parce que la plupart des trucs que j'ai choisis lui vont archi bien, donc ça me fait trop plaisir. Et je suis contente que ça lui plaise. Franchement, je pensais qu'elle allait être un petit peu plus compliquée. Bah, si vous voulez vous faire relooker en House of RBV, n'hésitez pas à me contacter. Entre temps, bah moi j'ai fait un petit tour dans le showroom, hein. J'ai trouvé un serre-tête, il est très beau et il va très bien avec mon style assez rétro. On pourrait mettre ça. Ça par contre, je peux pas. Bon, on voit tous tes seins et tout. Bah, c'est important, toi aussi on voit tes seins. Du coup, qu'est-ce que tu penses de la robe très festival de Cannes, très tapis rouge, très... Elle est vraiment canon, je suis fan. Donc ça c'est le look 3, dites-nous vraiment ce que vous en pensez. Et si vous trouvez que mes tenues que j'ai choisies vont plutôt bien à Fatou, ou si vous trouvez que c'est un der et que je suis grave nulle en tant que styliste. En tout cas, moi j'adore et ça devrait hyper bien. J'ai choisi un ensemble vert pomme que t'aurais pas mis, je pense. Non. Et c'est un petit crop top qui s'attache devant. Enfin, c'est plutôt un bandeau qu'un crop top. Et on a un petit short taille haute qui est ceinturé. C'est des ensembles que j'adore grave chez Bou et que je prends tout le temps. Et ça, c'est hyper beau. Quand tu sais pas comment t'habiller la journée, tu mets juste ça. Surtout toi, tu vas partir au Brésil. A few moments later. One. La tenue numéro 4 que j'ai choisie et que je trouve lui va trop bien au teint déjà. Genre c'est magnifique, ça c'est hyper bien pour l'été. Genre c'est waouh. Ouais, c'est trop stylé. Donc qu'est-ce que vous pensez de la tenue numéro 4? Dites-nous en commentaire, mais surtout toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'aime trop. Franchement, je pourrais aller en vacances avec normal. Je me suis bien regardée. J'aime. Et c'est trop beau. Et franchement, être une bad bitch, c'est pas tant, hein. Ah, David bad bitch. Bon, du coup, cette vidéo elle est à présent terminée. Ça m'a fait trop plaisir de te relooker, Fatou. Moi aussi, ça m'a fait plaisir de me redécouvrir en bad bitch. Et franchement, c'est pas si mauvais que ça. Tout le monde m'a dit que j'étais trop belle. Comme quoi, faut s'assumer et oser mettre ce qu'on veut et ce qu'on aime. Et c'est pour ça que moi je fais ça et que je m'en tape. Si tu. T'as pas grand envie de chanter, ça te sent quand tu dis je m'en tape. Grave. Eh, attends, moi elle est vraiment dans ma tête. Hein. Donc. Abonnez-vous, likez. Avec moi, c'est pas comme ça. Si vous avez kiffé la vidéo, vous laissez un pouce bleu. Et si vous avez pas kiffé, vous partez. Un pouce rouge, vous avez le droit avec moi. Chic.
partez. Vous nous dites quel look vous avez préféré, quel look va le mieux selon vous à Fatou. Bon, en tout cas, j'ai trouvé que tout allait sans te saucer ou quoi que ce soit. Vraiment, ça t'allait grave bien. N'hésitez pas à vous abonner à nos Instagram qui vont s'afficher juste ici. Il y a également mon Twitter et mon Snapchat. Et le Twitter et le Snapchat de Fatou en barre d'infos. Et j'ai une chaîne YouTube qui est encore vierge, mais restez connectés. Voilà, on mettra sa chaîne YouTube aussi en barre d'infos. Et n'hésitez pas à vous abonner à la mienne. Et merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Et merci pour ce défi, ça m'a fait plaisir de relooker quelqu'un. Surtout Fatou. Tu penses que je peux devenir styliste? Franchement, ouais. Parce qu'on n'est pas dans le même délire. Et t'as vraiment su varier mes goûts et tes goûts. C'est vraiment stylé. Top. Ça fait plaisir. Merci. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Je vous fais plein de bisous. Ya ya ya. Ya ya ya. Non, c'est ya ya ya. Faut être une bad bitch, genre. Ya ya ya. Je suis vraiment une bad bitch, là, c'est bon.